part en reportage sur le vignoble de Saint-Pourçain. Est-ce que les vins de Saint-Pourçain, ça vous parle ? Pas du tout. Absolument pas. Pas du tout. Ça me parle un petit peu, ça m'arrive d'en boire. À ma connaissance, Saint-Pourçain, c'est un vignoble situé, j'imagine, à peu près à 15 km à l'ouest de Vichy. Très connu le vin que j'utilise. Parisien d'origine, mais avec un pied à terre sur Clermont. Cette région viticole est connue. Mes grands-parents habitent pas du tout loin, oui, donc je connais bien. Je ne suis pas originaire de la région, mais quand j'étais venu il y a une dizaine d'années, je trouvais ce vin un peu âpre, un peu trop rustique, si on peut dire comme cela. Et j'ai été étonné par les progrès qui ont été faits. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des vignobles de mieux en mieux en fait ces dernières années. De jeunes viticulteurs qui ont su redonner vraiment le plaisir quoi, du Saint-Pourçain. C'est pas forcément un vin qui est si facile à trouver dans d'autres régions. C'est vrai que si je pouvais m'en procurer plus facilement, j'en consommerais peut-être plus. Je suis parisienne, donc à Paris. J'ai trouvé fruité, profond et relativement charpenté. Ça fait partie de ces petits vins qui sont toujours des valeurs sûres. C'est des vins d'Auvergne, ça fait toujours plaisir.